Monsieur Alain Soral, vous êtes des sociologues français, président près d'égalité et réconciliation, un site d'information indépendant. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, cette fois-ci, je voudrais m'entretenir avec vous au sujet des récentes déclarations des autorités américaines qui ont appelé à des négociations directes avec l'Iran. Lorsqu'il y avait en fait une nouvelle équipe d'Obama, surtout un nouveau secrétaire d'État, on a dit que les Américains souhaitent engager des négociations directes avec l'Iran, et à Munich, lors de la conférence sur la sécurité, le vice-président américain Joe Biden a réitéré cet appel à des négociations directes avec l'Iran. Et du côté iranien, on dit que les États-Unis doivent prouver tout d'abord leur sincérité avant de parler des négociations directes avec l'Iran. Votre analyse sur le sujet, s'il vous plaît. Eh bien, il semblerait que les Américains soient un peu moins arrogants sur le plan militaire qu'ils ne l'étaient ces derniers temps, et qui pensent qu'ils sont obligés aujourd'hui de passer par une solution négociée et pacifique. C'est-à-dire que ça voudrait dire en gros qu'ils renoncent à une agression directe de l'Iran, ce qui veut dire aussi qu'ils refusent de se soumettre à la volonté israélienne. Je crois que là on peut voir un lien avec la réélection de Obama. Netanyahou avait pris ouvertement parti pour l'adversaire d'Obama. Obama a été réélu quand même. Il sait maintenant que comme il ne peut pas briguer de troisième mandat, il n'est plus obligé de faire trop de courbettes face au lobby tout-puissant lobby sioniste américain qui représente le plus gros pourvoyeur d'argent et donc de corruption pour les sénateurs aux États-Unis. Et d'ailleurs, je crois qu'Obama a bien dit effectivement que Netanyahou était un lâche et un imbécile, ce qui est quand même assez incroyablement violent. Mais donc il se venge un peu. Je crois aussi que les élites militaires américaines ne veulent pas rentrer dans une aventure guerrière avec l'Iran parce qu'elles savent que ça serait une catastrophe pour eux et un nouveau Vietnam. Donc les Américains semblent vouloir négocier directement avec les Iraniens en s'éloignant finalement de la solution israélienne. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier que les Américains jouent un jeu très hostile envers l'Iran de façon indirecte en ce moment, notamment à travers ce qui se passe en Syrie, la déstabilisation de la Syrie, et notamment à travers tout ce qui se passe en ce moment au Maghreb et dans le Moyen-Orient, où avec de l'argent qatari, les Américains soutiennent toute la poussée de fondamentalisme sunnite, qui est en général effectivement une manière, indirecte mais très efficace d'être hostile à ce que représente l'Iran, c'est-à-dire le chiisme. Voilà. Donc je pense que l'Iran effectivement dit que ils veulent bien négocier avec les Américains qui renoncent à les attaquer directement. Mais je pense que le second message qui est envoyé par les Iraniens quand ils demandent à vérifier la bonne foi des Américains, ça serait qu'ils arrêtent un peu de subventionner partout, souvent parfois à travers l'argent qatari et l'argent saoudien, l'extrémisme sunnite qui les vise directement. Donc voilà, je pense qu'on est dans cette vision globale. Je pense qu'il faut avoir, et peut-être que du côté américain aussi, cette façon d'avoir, subventionné les milices extrémistes sunnites radicales un peu partout, fait peut-être peur à certains géopoliticiens américains, parce que c'est un peu comme à l'époque où ils avaient sponsorisé, les islamistes radicaux en Afghanistan contre les soviétiques. On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit, et ils commencent peut-être à avoir peur de perdre le contrôle de tout ça. Voilà. Donc peut-être que dans ce climat global, finalement, les Iraniens semblent avoir les moyens de dire aux Américains qu'ils sont d'accord pour des négociations, ce qui veut dire en gros que les Américains ont déjà renoncé à l'attaque militaire directe, mais qu'en plus ils demandent aux Américains de faire preuve de crédibilité, c'est-à-dire ils demandent sans doute aux Américains d'arrêter un peu de soutenir le fondamentalisme sunnite un peu partout au Maghreb et au Moyen-Orient. C'est peut-être ça l'analyse qu'il faut faire de ce dialogue actuel. Monsieur Soral, s'agissant de ces agissements indirects des les États-Unis dont on venait de parler, peut-on dire alors que les Américains, en fait, ont chargé plutôt leurs agents dans la région, le Qatar, l'Arabie Saoudite et autres, de prendre le relais? Oui, c'est ce qui se passe depuis quelques temps, notamment on voit bien en Syrie, on le voit en Tunisie en ce moment, on le voit en Égypte, on l'a vu bien évidemment en Libye,
que c'est les Qataris et les Saoudiens qui font le sale boulot pour les Américains en s'appuyant sur le fondamentalisme musulman, ce qui est très habile, puisque dans un premier temps, on peut croire que c'est une résistance à l'Amérique. Et puis quand on regarde de plus près, on se rend compte en fait que ces soi-disant musulmans radicaux sont financés finalement à travers le Qatar et l'Arabie Saoudite par l'Empire, ce que j'appelle l'Empire. Et il semblerait que cette stratégie est en train d'échouer partiellement parce qu'elle crée des effets secondaires et des dégâts collatéraux terribles. Et je pense que cette stratégie qui est très néoconservatrice, c'est-à-dire très risquée, semble faire peur à certaines élites américaines aujourd'hui, effectivement, de financer partout l'extrémisme islamique. Ça commence à faire peur à certains. Et donc non seulement ils ont échoué, déjà, puisque la Syrie n'est toujours pas tombée et que Poutine et la Chine n'ont rien lâché, mais non seulement ça n'a pas marché, mais ça, à mon avis, ça peut à terme se retourner contre eux. Ce qui veut donc dire que les Iraniens ont doublement la main, c'est parce que à la fois ils savent que les Américains ne suivront pas Israël sur une volonté d'attaque directe, mais qu'en même temps, les Américains commencent à voir les limites de leur attaque indirecte, et c'est peut-être tout ça que les Iraniens veulent, que tous ces sujets-là soient amenés dans la négociation. Donc il semblerait que les Iraniens finalement aient bien fait de tenir et qu'Ahmadinejad n'était pas si fou que ça quand il pensait finalement qu'il avait la main et que les Américains annihilationnistes avaient les moyens de leurs prétentions. Il semblerait que l'histoire actuelle lui donne raison. Et bref, M. Soral, peut-on dire que ça montre que l'Iran est incontournable et les autorités de la Maison-Blanche aussi en sont désormais parfaitement conscientes. Oui, je crois que les experts américains, sans doute induits en erreur par les Israéliens, ont sous-estimé la capacité de résistance notamment de l'Iran, mais aussi de la Syrie. Je crois qu'ils pensaient que ça serait plus facile. Il semblerait effectivement qu'il change de stratégie, ce qui est une victoire pour l'Iran, parce que l'Iran finalement se permette de ne pas accepter inconditionnellement la proposition de négociation directe avec les États-Unis, mais l'assujettisse de conditions préalables, et bien la preuve qu'ils ont d'une certaine manière les cartes en main, parce que c'est incroyablement, ça pourrait être considéré comme incroyablement arrogant, mais en fait je pense que c'est, la formulation d'un rapport. L'explicitation d'un rapport de force réel. C'est qu'en fait, les Américains, finalement, n'ont pas tant de cartes que ça dans la main, et qu'ils sont plutôt même un peu inquiets de la façon dont ils se sont engagés de façon un peu légère, et qu'ils cherchent peut-être une solution qui pourrait éviter que la situation se retourne contre eux. Voilà, donc c'est intéressant, ce qui veut dire que finalement, le courage d'Ahmadinejad n'était pas totalement suicidaire, mais peut-être était le fruit d'une vision stratégique à long terme parfaitement raisonnable.